bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 2. Et nous sommes toujours dans le scénario de Leon. Nous allons retourner là où on était. Pourquoi? Parce que j'avais oublié pas mal d'objets. J'ai fait un petit tri dans mon inventaire. Je vous cache pas que je suis allé récupérer le spray de soins ainsi que... c'était quoi déjà? C'était de la poudre supérieure, voilà. Donc je les ai récupérés en off. Je les ai mis dans le coffre de derrière. Et il y avait une petite partie de la pièce que j'avais pas vraiment fouillée. Et donc là on va y retourner. J'ai même pas lu, je me suis tout gardé vraiment. Mais en allant récupérer les items, je me suis dit mais attendez, je suis pas allé là, voilà. Donc là on y va. Et on va récupérer une pile déjà. Par contre à quoi elle va servir? J'ai rien pour l'utiliser pour le moment. J'ai rien pour l'utiliser. Et on a une note interne. 22 septembre 1998. Avis de transfert de matériel. Coffre à 3 chiffres. Résistant à la chaleur. Déplacé du bureau du Stars, donc au deuxième étage, vers le bureau ouest. Combinaison. Gauche 9. Droite 15. Gauche 7. Veuillez modifier la combinaison des réceptions. Ok, donc le bureau... À l'ouest, au premier étage, on a la fucking combinaison. Ça, c'est plutôt cool. Donc, on va aller voir où il est. Alors, on est reparti au premier étage, bureau ouest. Il est tout simplement ici. Comment y aller? Oh, c'est pas difficile en vrai. Pourquoi cette pièce est... Ah, d'accord. Cette pièce est rouge parce qu'il y a justement le coffre. Très bien. On va aller le récupérer, ce coffre, direct. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je sais, par contre, qu'on a... Une pile, ça c'est plutôt cool. Eh les gars, t'es là, boum, il te manque un petit peu d'énergie. C'est du 9 volts, triphasé, je connais bien, tu vois. Et ben voilà, évidemment, on a la pile, tout tombe bien. Et, hein, super la journée au Comico. Comme d'habitude, n'oubliez pas le casque ou les écouteurs. Prenez un petit truc à boire, un petit truc à manger, fait toujours plaisir. Et on est reparti, c'était par où? Bougez pas encore une fois. C'était tout simplement ici, le coffre. C'était le coffre au fond de ce bureau. Donc on a la combinaison. C'est parti, va falloir retenir tout cela. Hop, maintenant qu'on est dedans, on va pouvoir le lire. Alors, gauche 9. Donc 9, 15, 7. Ok. 9, 15, 7 en alternance. Donc, merde. Ok, déjà là on a foiré. Nickel, hein. On va le refaire. 9. Ah, 9, je suis débile, ok, désolé hein, je suis pas habitué d'utiliser des coffres forts en fait, 9, 15, 15. Bah voilà mon gars, alors par contre, oh, 2 places supplémentaires, merci les gars, ah ça marche bien, on reviendra dis donc, ok. Cette pièce, on n'aura plus rien à y faire. On va s'en... Hop, voilà, on va sortir vite parce que je suis en stress. Je déteste ces pièces comme ça entre la lampe torche. Bon, faisons un petit récap. On a le livre qu'on va mettre à la statue. On a encore une pince coupante qui va nous être utile. Maintenant, suffit de voir le plan. Le livre, où était le livre déjà? Terminal des casiers. Non, ça, c'est fallait une touche de rechange. Une porte verrouillée. On a une chaîne ici, putain. Merde. Excusez-moi. On a une chaîne ici qui mène aux archives. Qui dit archives dit sûrement trèfle. Et à l'étage supérieur, on a El Famoso statue. Ok. Et j'ai une plante à aller récupérer à droite. Eh ben écoutez, direction les archives. Dernière chaîne. Près des casiers. Ok. C'est par ici. Ouais, c'est totalement par ici. On y retourne, les gars. On retourne en enfer. Pas de liqueur, s'il vous plaît. Ça serait sympa. J'ai rien fait, rien demandé. Ah! Qu'est-ce que c'est? Il peut pas rentrer. Oh, le salopard, ça voudrait dire... Ah! Il peut pas, hein. Ok, il peut pas, je crois. Ça voudrait dire qu'il serait venu, ce salaud, hein. En temps normal, c'est terrible. Ah! Putain, mais toi aussi! Vous êtes tous terribles! Ok. J'aime pas ça. Ah! Putain.
Mais arrête, vous toquez à chaque fenêtre là, bande de lâches. C'est quoi? Oh putain. Allez. Salut mon pote. Je sais pas du tout c'est quoi. Ça a pas l'air d'être un Lickers. Pourquoi il a pu rentrer? Ok, bonjour. Ah putain! Locker room! CAP! Ou LAP, je dirais CAP. Ok. Bougez pas les gars, locker room. Chambre verrouillée. Je suppose que c'est... C'est un casier du haut. Salle d'attente, coffre. Ici, trou de manivelle. Salle d'art, elle est là-haut, très bien. Et ici on a quoi? Cric, PC, donc j'ai pas, et cadenas. Cadenas, locker room. Ok, faut que je retienne. Donc, CAP, très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Oh non, c'est trop. Ah, attendez. Bah oui. Détonateur pour C4, très bien. Très très bien. Ok. Oh là là, là il y a, les gars, je... Ok, ça c'est fait. Ouais. Combiné. Deux grenades étourdissantes. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, il me faut une clé que je n'ai point. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Très bien. Bon. Waouh. On a ouvert un petit raccourci, les archives, ça sera pas pour tout de suite. Salle des casiers, on n'a pas la touche. Ici, on a un évier. Pas utile. Et là, on aura besoin d'un cric. Cadenas. Après, en vrai, ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Donc, je pense que je peux monter. Je pense que je peux monter les escas. Et là, il y a un cadenas. Et comme ça, on va, vous savez quoi? On va mettre le C4. Ça me paraît être une bonne idée. Ça me paraît être une fausse bonne idée d'ailleurs, pour être très honnête avec vous. Là, il y aura quelqu'un là. Voilà, c'était sûr. Ah! Quoi? Ok. Ah! Putain, sérieux? Ok. Elle, elle est partie, elle, hein? Ça va? Je t'ai demandé si ça va pour répondre, madame. Ok, moindre mouvement, je tire. Voilà. Ferme-la, je t'ai dit. Saloperie. Et... Madame, ça commence à être très chiant, là. Hein. Putain, mais incroyable. Sale race, hein. Ok. Ici, y'avait rien. Ici, y'avait rien. Par contre, ça ne coûte pas plus cher d'essayer. CAP, c'est parti. C-A-P. Débarre. Je suis le boss, en vrai. Genre, je pense que je suis peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde. Ok, on a trouvé. Très, très bien. On peut partir, n'est-ce pas? On continue. On avait le C4 en haut cette fois-ci. C'est stressant, le jeu est vraiment stressant, les gars. En plus, je joue, je vais pas vous mytho qu'il est 2h30 du mat. Eh, les gars, on sait jamais. Sur un malentendu, la magie peut marcher deux fois. Hop, ça dégage. Ok. C'était sympa le petit bonus comme ça de balles de... pompe glissée. Ça fait plaisir, la famille. Ça, je te le dis. Hein. On a vu un liqueur la dernière fois ici. Qui est... Ce qui est infâme, c'est que plus tu t'attends à quelque chose, plus tu sais que ça, va arriver, en fait. Donc, quoi qu'il arrive, même si t'es préparé, tu te chies dessus, mon pote.
faut vraiment regarder tous les détails, comme le CAP qui était sur un tableau écrit à l'ancienne. Ok. Ok. Ça, je peux jeter, apparemment. Donc, c'est plutôt cool. Utiliser. Ça a pété, hein. Hop, on va jeter ça. Plus besoin. Y a aucun problème. Et ça, voilà. Je peux pas le jeter tant que j'en ai besoin. On garde le pompe, hein. C'est quoi? Oh, j'ai la toute dernière. Un liqueurs. Un fucking liqueurs. Ok, j'ai mis un petit couteau dans le thorax, mon pote. Tu me mords pas, toi. Ok. On va le récup. Oh putain. Oui. Désolé. Pas encore une maîtrise totale de mes accessoires. Ok, il a l'air mort. Bon. On est reparti. Dernière énigme à ce sujet-là. Et puis après, on va pouvoir aller voir la statue pour lui mettre aussi dans les mains, évidemment, le cahier. Là, on va pouvoir aller au parking, hein, c'est incroyable. C'est incroyable, tout va très très vite. Ok, attends, je suis débile ou... Mais non, c'est moi... Mais non, mais je suis totalement débile, en fait. Voilà, c'est ce cahier de merde. Ok. Tête, arc, serpent. Oh non. Tête... Arc. Voilà, ok, du premier coup. Le médaillon de la Vierge. J'adore. Statue de la déesse, activable. Stop. On en est où? Il y a la tour de l'horloge pas très loin. Il y a un cadenas par ici. Ok. C'est bon, on peut partir. Ça, je vais pas souvenir. Je suis pas allé, comment ça se fait? Ok. Je suis déjà passé par là, mais c'est quoi ce délire? C'est retombé. Là, on avait quelque chose aussi. Et on avait une porte tout au bout. Oh, c'est compliqué, les gars. J'ai pris ma dose, hein. Putain de merde! Ça va, mon rouillabaisse? Oh, c'est terrible. Il est parti. Il est totalement parti, ce bâtard. Ah non, il dort. Pardon. Excuse-moi. Je vais pas te manquer de respect. Toujours vivant. Rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. On connaît la musique. Ok. Bon. Je commence à avoir la gorge nouée. Ça risque d'être compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On a une poudre rouge. Ça pourrait être pas mal de la prendre. Pour faire un petit remix. Combiner des objets. Sérieux, tu m'apprends vraiment à combiner des objets là? Hop. Ok. Voilà, on est pas mal. J'ai plus de balles. J'ai encore le livre. J'ai les médaillons. Donc, qu'est-ce qui va se passer, en fait, là, concrètement? Ça me paraît beaucoup trop... Enfin, je veux dire, il reste trop de choses à faire dans le Comico, les gars. On va activer la statue. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je sais qu'il va se passer quelque chose de terrible si je le fais. Je sais qu'il va se passer quelque chose de terrible si je le fais.
Je le fais. Au moins, ça s'est déverrouillé. Trouver une issue, c'est fait. Maintenant, je sais pas vous. Attends, il est où? Ok, il est toujours là. Je sais pas vous, mais ça serait pas mal qu'on aille disposer le livre dans les mains de la statue. Donc, on va voir où elle est. Et on va le poser. Ah putain, il y a quand même une herbe à récupérer là-haut. C'est pas trop, je pense. Ici, on a Terminal. Ah, le Comico est loin d'être fait. Il est très, très loin d'être fait. On a la salle d'attente. Ok, faut que je passe là. Faut que j'aille là. Jusqu'à la salle d'art. Très bien. J'ai le chemin, les amis. C'est parti. Bon, j'ai ouvert, mais on n'y va pas tout de suite. Il y a sûrement pas grand-chose à y faire dedans. On ira plus tard. J'ai encore beaucoup de choses à faire, à mon avis, dans ce Comico. J'en suis même quasi persuadé. C'est parti. Ok. Il y avait l'hélico pas loin. Ah d'accord, très bien. J'ai ouvert à côté. Ok. Non, non, non. C'est pas... C'est bon. Voilà. Allez, régale-moi. C'est le pouvoir du sceptre. Ah oui, totalement. Ok, on devient Sakura, les gars. Sceptre, c'est fait. Ça m'avance putain à rien, quoi. Ça m'avance à que dalle, ce spectre. Ce sceptre, pardon. Oh, trop bien. Joyau rouge, un joyau qui semble avoir une grande valeur. Yes. Yes, yes, yes. Eh ben, on est avancé. On est avancé à que dalle. Il me manque un cric, il me manque tout. Oh, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être ma petite idée. Pourquoi ils me disent que... Je suis jamais... Ah oui, il faut que j'aille sur les toits. Je prie l'escalier de secours. Mais là-bas, on peut pas, parce que bah, de toute façon, c'est l'accident de l'hélico qui est dedans. Ok. Je pense que le joyau... Ok, là, on va pouvoir aller en bas. Et avec le joyau, on va pouvoir le disposer sur le parking et s'offrir de nouvelles issues, à mon avis. Voilà, je dis peut-être des bêtises. Mais je pense que ça vaut le coup, parce que de tête... On a tout fait dans le commissariat, maintenant il me faut soit des combinaisons, soit autre. Mais je crois qu'on est bon. On va save. Ouais, j'ai pris un putain de détour pour save. Je vous avoue que ça m'arrange d'être lent. Ok. Allez, on est bon. Regardez à quelle date j'enregistre cette vidéo. Imaginez ma frustration de savoir que... Hey, je peux mettre les vidéos en ligne que le 24. C'est assez terrible pour moi. Allez, on y va! Mais merci, merci Capcom de m'avoir offert ce jeu une semaine en avance. Juste incroyable. Ok. Ça inspire pas, hein. Ça mène bien en bas. C'est bon. On peut sortir. Lieutenant Brana! Marvin! On fiche le camp. Hey, Marvin. Ah! On doit vous emmener à l'hôpital sans tarder. Non, non, je... Sauve ta peau. Allez, je vais vous aider. Attends! On peut encore sortir d'ici tous les deux. Mais donnez... C'est trop tard, Léon. J'ai essayé, tu sais. Mais j'ai pas pu l'arrêter. On peut pas laisser ça se propager. Je compte sur toi. Va-t'en. Très bien. Comptez sur moi, Marvin. Non, non, je reviens, hein. Eh, les gars!
Chemin de la déesse. Hein ? Ouvrez ! Qu'est-ce que c'est que cette connerie, frère ? Ok. Forcément, manivelle, on n'a pas. Des balles de fusil à pompe, ça, par contre. Ils savent en donner. Vous savez que ça va être terrible. On va save ici au cas où, les gars. Parce que j'ai peur. J'ai peur de ne plus pouvoir revenir dans le commissariat. Et très honnêtement, si à la fin de cet épisode, on revient pas dedans, ça me ferait chier. Donc, j'ai laissé beaucoup trop de choses en vain là-haut. Donc, faites un petit effort, ok? Ok. Vous savez quoi? Là, on va pas se mentir que j'ai besoin... Voilà, j'ai besoin de ceci. Des munes de pistolet. Oh. Non, mais on revient! C'est pas possible! Ou alors c'est des énigmes pour Claire! Non, c'est pas possible. Ok. Bon, vous vous souvenez ce que je vous dis à chaque fois? Il y a une chose que je supporte pas, c'est les égouts. Et ben voilà. On est dans des égouts. On est totalement dans des putains d'égouts. Fait plaisir, la famille. Ok. Non, c'est pas possible, j'ai laissé trop de choses en haut. Trop de choses, dont un magnum et tout. Dites-moi qu'on reviendra, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Oh, doux Jésus! C'est quoi, ça? C'est... On dirait une arme en akimbo. J'ai pas ce qu'il faut. Mais j'ai le joyau et tout. Non, c'est pas possible. Je refuse d'y croire. Je refuse totalement d'y croire. On va revenir. Ok, on va voir ce qui nous attend. On va s'arrêter là. Et je vais réfléchir avec moi-même. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je peux pas... C'est quoi ça? Ça, ça claque pas, hein. C'est pas possible, on va revenir les gars, on doit revenir. Yes, toujours plus grand. Hein. Non, je crois qu'on reviendra pas. Je crois qu'on reviendra pas. Ok, on va s'arrêter là pour les souterrains les gars. On va s'arrêter là pour les souterrains et je vais charger la partie juste avant d'utiliser la statue de la déesse. Je pense très clairement qu'on ne reviendra pas et j'aimerais fouiller ce fucking commissariat avant parce que là, à mon avis, c'est dead. Ouais, c'est totalement dead. Allez, bon retour dans le commissariat. Il y a forcément des choses à faire, les amis. Et je peux vous dire que je vais pas baisser les bras comme ça. À commencer par ce putain de coffre portatif. Ça, clairement, on va le faire. On va le faire parce que il faut que je sache comment l'ouvrir. Je vais essayer toutes les combis possibles. Et puis... Ah! J'en ai déjà deux. Ok. J'en ai déjà deux. Non. Trois. Ok. Quoi? Ah, 1, 2, 3, ok. Oh! Un, deux... Non. Ok. Mais non. Non. On va y arriver, hein. Oh bah d'accord. Ok, très bien, pourquoi pas. J'adore ces jeux-là. Yes, évidemment. Voilà mon pote. Voilà mon pote.
expert en cambriolage. Allez, on lâche pas le morceau. Pièce de rechange. Mon gars, on y est. On y est. On a taffé dur, les gars, on a taffé dur. Mais on y est, salle des casiers. Et c'est parti, pas le temps de blablater. Directement, cette deuxième pièce. Je suis heureux. Je suis heureux, on avance. Clairement, on avance. Je savais que ce comico, il y avait encore des choses à faire. On pouvait pas partir comme ça, les gars. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'il y a un truc affiché qui peut nous aider. Comme le CAP écrit au tableau. Ok. Allez. On pourra sûrement l'enlever de toute façon, non? Ok, il y avait une 103. Il y avait 103. Il y avait le 103. Ouais, c'est un cut. Pas ouf. Pas ouf. Oh non, j'ai pas été débile. 203, c'est carrément une poche. Mais là, il faut les deux. Et là, c'est des balles de gun. Il y avait quoi d'autre? On avait quoi? Ok, couteau 9. On avait le 102 aussi. 102, c'était de la poudre. Donc, il y a toujours quelque chose à faire ici. Il y a toujours quelque chose à faire ici, évidemment. Et ben, on continue les potes, c'est cool. On continue dans ce commissariat. Donc, par où on n'a pas été? Les archives. Quoique, il nous faut des clés. Bah ouais. La bibliothèque aussi, il y a des choses à faire. Mais il faut un cric. Là, on a un PC. Ici, c'est une clé. C'est la salle d'attente. Il faut que j'aille de l'autre côté. Hein. De toute évidence, les gars. De l'autre côté, j'aurai des réponses, je pense. On va un petit peu de l'autre côté. Tout simplement se balader, voir un petit peu ce qui se cache. On va refaire un dernier petit tour. Et après, cette fois-ci, on ira s'enfoncer dans les égouts. Je trouve que c'était normal de terminer l'épisode sur une petite fouille approfondie de ce commissariat pour être sûr de n'avoir aucun regret. Je rappelle que nous sommes, au moment où je recorde cette vidéo, le 19 très très tôt le matin. Les vidéos sortent à partir du 24-25, cet épisode sûrement le 26. Ah ! Donc, tu te doutes bien, mon cher ami, que vos commentaires, pour l'instant, ils sont un peu inutiles. Bordel. Ok. Ok. Caché. C'est bon. Allez, on continue par ici. Des choses qu'on n'avait pas faites. Bon, là, clairement, il faut une manivelle. Hein. On va pas... pas insister là-dessus. Je suis encore un peu blessé. On va optimiser notre blessure. Là, il y a un trou de manivelle, mais j'ai pas la manivelle. Donc, clairement, à moins de faire un dernier tour à la bibliothèque, tous les chemins mènent à Rome, je veux bien, mais ça me paraît compliqué, là. Ça me paraît compliqué. Après, j'ai loupé des casiers, mais c'est... Oh ! Putain, mais gros, mais toi, je te vois tout le temps. Merde. Ouais, c'est quoi, j'ai même pas envie de viser de balle. Vas-y, tire-toi, gros. Ok. Direction la bibliothèque. Il se passe quelque chose dans la bibliothèque, je pense. Souvenez-vous, le sol qui s'était cassé sous mes pieds. Et puis après, on va... Hop, c'est pas une bibliothèque, ça. La bibliothèque est un peu plus haute. Et après, on va pas insister, on va s'arrêter là, parce qu'on aura déjà une bonne demi-heure d'épisode. Mais bon, on a fait peut-être un petit tour à vide qui nous a fait perdre, allez, je dirais 5-10 minutes. Mais, on a ouvert le coffre portatif, on a trouvé des petits trucs, tout n'est pas perdu. Attends, attends, parce que là, je sais quand même que... Là, ok, il faut un cric. Ok. Oh
Ok, je pense... Je pense qu'on reviendra. On reviendra totalement. J'ai peut-être chargé une partie pour rien, mais je pense qu'on reviendra. Y a pas de souci à se faire là-dessus. Ah, yes, d'accord. D'accord. Mais alors ? Attendez. D'accord. En fait, faut pousser ça pour que je puisse avoir un accès un petit peu plus haut. D'accord, d'où le cric. Ok. Et attendez, on sait jamais sur un malentendu. Je vais te déplacer. Y a pas quelque chose ? Regarde, voilà mon gars. Un sacré malentendu qui me rapporte 12 balles tout de même. Plutôt pas trop mal. Nickel, on va pouvoir s'arrêter là les gars. Ça m'a fait plaisir, cet épisode m'a fait plaisir. On va pouvoir aller aux égouts en toute liberté et en paix avec nous-mêmes. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais des bisous. On a eu un petit aperçu des égouts, ça me semblait assez terrible. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.